Nous allons maintenant passer quelques minutes sur deux notions extrêmement importantes lorsqu'on utilise un tableur. Ces notions sont les notions de référence. Alors, il existe deux grandes sortes de références dans le tableur. La première est la référence dite absolue, ou les références absolues. Et le deuxième système de référence dans le tableur, c'est ce qu'on appelle les références relatives. Alors, pour travailler par analogie, une référence absolue en géographie, par exemple, ce serait les coordonnées en latitude et en longitude d'un point. À partir des coordonnées en latitude et en longitude, on peut désigner un point extrêmement précis sur la surface terrestre sans risque de se tromper. Les références relatives permettent également de désigner un point. Mais, comme leur nom l'indique, dans le cadre des références relatives, on parle de la position d'un point relativement à un autre, de la position d'un point par rapport à un autre point. Donc, un exemple de référence relative, la localisation d'une boulangerie, eh bien, je pourrais dire, bah, il y a une boulangerie à 2 rues d'ici. Ce sera sans doute vrai. Mais le problème, c'est que ce ne sera pas vrai pour tout le monde. Ce ne sera vrai qu'à partir de chez moi et de nulle part ailleurs ou alors pour tout à fait par hasard. Nous allons voir que pourtant, les références relatives sont extrêmement importantes dans le tableur, tout autant que les références absolues. Il va falloir maîtriser parfaitement ces deux concepts si on veut utiliser le tableur de manière optimale. Alors, je vous propose de quitter le domaine de la géographie et de nous attaquer au domaine du tableur. Alors, pour ça, partons d'un exemple très simple. Je voudrais, par exemple, écrire la table par 7 dans ma feuille de calcul. Alors, je vais écrire le nombre 1, par exemple, dans la cellule A1, et je vais faire une série de 10 nombres dans le reste de la colonne à l'aide de la poignée de recopie. Bien, dans la table de multiplication, on indique ensuite une croix pour le symbole de la multiplication, une croix que je vais mettre au centre de la cellule, et puis je tire à nouveau vers le bas, ma souris me joue un petit tour, voilà, c'est réglé. Et puis, par exemple ici, bien, le nombre 7 pour la table par 7. Si je tire vers le bas, attention, je risque d'avoir la recopie incrémentale, ce n'est pas ce que je souhaite. Alors je maintiens une touche contrôle enfoncée pour obtenir la recopie simple. Puis à nouveau le signe égal que je vais tout simplement centrer avant de le recopier vers le bas. Voilà. Donc avec ça, j'ai la base de la table. Je vais maintenant écrire ici une formule. Une formule qui va me calculer le produit de 1 et de 7. Alors, comme il s'agit d'une formule, je commence par le signe égal, puis je désigne le premier terme de ma multiplication, ce sera la cellule A1, que je vais multiplier, le symbole de la multiplication, eh bien l'étoile, que je vais multiplier par C1. Voilà, et je frappe la touche Enter. Je vais maintenant revenir sur cette formule. Parce que cette formule, en fait, n'est pas ce qu'elle semble être. Dans la réalité, il faut lire cette cellule non pas comme étant le produit de A1 par C1, mais commençons par A1. Que signifie ce A1 présenté là? Eh bien, il ne signifie pas réellement de prendre le contenu de la cellule A1. Il faut lire cela autrement. Attention, c'est un petit peu subtil. Mais une fois qu'on a compris, c'est comme rouler à vélo, on a compris une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas A1 que ce symbole désigne. C'est curieux, mais c'est comme ça. Cela désigne la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4 colonnes plus à gauche. Vous avez donc sans doute perçu que je parle ici de référence relative. Je me déplace de 1, 2, 3, 4 cellules vers la gauche, donc la cellule qui est désignée par A1, par le symbole A1, est la cellule qui se trouve, non pas 2 rues plus loin, non, non, c'est la cellule qui se trouve 4 colonnes plus à gauche. Et lorsque je désigne C1,
En fait, est-ce que je désigne vraiment la cellule C1? Non, je désigne la cellule qui se trouve un, deux rangs plus à gauche. Et donc, lorsque je frappe à 1 fois C1, c'est bien le bon calcul qui sort, exactement comme si cela avait été des références absolues. Mais attention, ce sont bien des références relatives, c'est important. Pourquoi cela est-il important? Parce que lorsque je vais tirer la formule d'un rang vers le bas, je vais commencer par un rang, j'ai le bon résultat. Voyons maintenant la formule qui se trouve en E2. Alors pour ça, je frappe la touche F2 pour pouvoir éditer, et je vois que la formule est devenue A2 fois C2, c'est-à-dire exactement ce que l'on attendait si l'on a bien compris ce que sont les références relatives. A2, la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4 rangs plus à gauche, multiplié par C2, la cellule qui se trouve 1, 2 rangs plus à gauche. Donc si on a compris que A2 ne veut pas dire vraiment la cellule A2 elle-même, mais bien quand on est en E2, la cellule qui se trouve 4 rangs plus à gauche, et C2, la cellule qui se trouve 2 rangs plus à gauche, on a compris. Je vais donc maintenant frapper Enter pour clôturer ce calcul, et je reprends cette formule, A2 fois C2, je la tire vers le bas, et j'obtiens la table de multiplication tout à fait correcte. Examinons encore l'une ou l'autre de ces cellules, ici 42 qui provient du calcul A6 fois C6, donc toujours la cellule qui est 6 colonnes plus à gauche fois la cellule qui est 2 colonnes plus à gauche. Donc nous avons ici une première visualisation de ce que sont les références relatives. Les références donc qui ne sont valables que par rapport à une certaine cellule. Voyons un exemple avec l'utilisation cette fois de références absolues. Alors l'exemple va être relativement le même, sauf que je voudrais maintenant, donc je vais effacer cette formule-ci, on va recommencer, ce n'est pas la table de 7 que je veux, mais je voudrais la table de n'importe quel nombre. Alors, nous allons prendre pour convention que je vais indiquer le nombre qui m'intéresse, par exemple, ici en bas. Voilà. Donc, imaginons que je veuille la table de 9. J'écris, je veux la table de 9. Bien. Le 9 se trouve donc dans la cellule A13. Je voudrais maintenant que ce 9 apparaisse partout ici. Donc, pour ça, pas très compliqué, vais-je dire. Je fais égal, et puis je désigne la cellule A13. Et Enter. Bien. Maintenant, ce 9 devrait se retrouver partout en dessous. Réfléchissons un instant. Que va-t-il se passer si je tire cette formule vers le bas? Je vous remontre encore une fois la formule. Il est marqué égal à 13. Mais attention au piège. Ce n'est pas égal à 13 qui est réellement marqué, c'est prends le contenu de la cellule qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs plus bas et une, deux colonnes plus à gauche. Donc il faut imaginer ici une flèche qui vous dit descend de 12 rangs et va à gauche de deux colonnes. Donc si maintenant je frappe Enter, bon c'est bien le 9 qui est là, mais si je tire vers le bas, quelle sera la référence qui sera donnée par la nouvelle formule en dessous? Alors je vais le faire, bien que ce soit une erreur, je vais le faire d'un rang et je lâche. 0. Pourquoi? Si je regarde la formule, égale à 14. Pourquoi égale à 14? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs plus à gauche et 2 colonnes. 12 rangs plus bas et 2 colonnes plus à gauche. Et ici, la cellule est vide. Alors dans le cas du tableau, le cadre du tableur, une cellule vide est souvent considérée comme valant 0. Donc autrement dit, égal à 14, bien sûr, c'est 0. Donc cette formule-là n'est pas correcte. Je ne peux pas recopier cette formule vers le bas.
la formule de la cellule C1, je ne peux pas la recopier vers le bas. Je dois faire autrement. Alors, je dois dire les choses de la manière suivante pour passer en référence absolue. Pour passer en référence absolue, je vais maintenant punaiser le A et punaiser le 13 pour que lors de la recopie, il ne se modifie pas. Les punaises sont très simples à mettre. Il suffit de frapper le signe dollar devant le A. Et du coup, le A ne changera pas lors d'une recopie. Mais je dois aussi éviter que le 13 ne change. Il ne peut pas passer à 14, à 15, à 16. Alors pour cela, devant le 13, je mets une punaise, le signe dollar. J'ai donc maintenant cette forme un peu particulière, dollar A, dollar 13, qui désigne vraiment la cellule A13 et aucune autre. Nous parlons ici maintenant de référence absolue. Je reprends ce 9, qui est en fait caché sous la formule égale dollar A, dollar 13. Je tire vers le bas d'un rang, que se passe-t-il? C'est toujours dollar A, dollar 13. Ce sont donc bien les coordonnées, comme les coordonnées géographiques, latitude, longitude, ce sont bien les coordonnées absolues. Si maintenant je prends la formule et que je la tire sur l'ensemble des rangs, eh bien j'ai chaque fois le nombre 9. Alors ici, la formule par contre, dans la colonne E, sera toujours en fait la même formule qu'avant, hein, donc égale A1 fois C1. Ou j'aurais pu aussi écrire égale A1 fois A13. Mais attention, si maintenant je frappe Enter, c'est correct. Si je tire vers le bas, que va-t-il se passer? Au niveau du A1, c'est très bien. Le A1 va devenir A2, puisque A1 signifie bien 4 colonnes plus à gauche. Mais que va devenir le A13? Quand on sera en E2, ce sera toujours 12 lignes plus bas, c'est-à-dire un cran trop loin. Alors, si je veux écrire la formule comme cela, je dois punaiser. Je dois punaiser, en fait, le A, ce n'est même pas nécessaire en réalité, il suffit que je punaise le 13. Je fixe le 13, il ne bougera pas. Je fais Enter, la formule est bonne. Je tire vers le bas et les calculs sont bons. Je regarde ma deuxième formule, A2 fois A$13. A3 fois A$13. Alors je vous laisse un instant réfléchir à la raison pour laquelle je n'ai pas dû punaiser le A, ce n'était pas nécessaire. D'ailleurs ici non plus, je pourrais enlever cette punaise au A, la fixation du A, je l'enlève, je tire vers le bas, et voilà, ça fonctionne. Donc je vous laisse réfléchir à la raison pour laquelle le A ne doit pas être fixé. Je vais terminer par vous indiquer une autre façon de poser les punaises virtuelles, de fixer les références en référence absolue. Alors pour cela, lorsque je suis dans une formule, donc si par exemple ici j'avais écrit égale A13, voilà, je suis sur cette formule, je suis occupé à la modifier. Si je frappe la combinaison de touches, majuscule F4, j'ai bien dit majuscule, je n'ai pas dit majuscule bloqué, donc je n'ai pas dit Shift Lock ou Caps Lock, c'est bien majuscule F4. Lorsque j'ai frappé majuscule F4, deux signes dollar se sont mis, l'un devant le A, l'autre devant le 13. Je frappe encore une fois majuscule F4, et cette fois-ci, le A n'est plus fixé, il n'y a plus que le 13 qui soit fixé. Je continue, je persiste, majuscule F4, cette fois-ci, c'est le A qui est fixé et pas le 13, et encore une dernière fois, je reviens à la formule initiale égale A13 qui ne convient pas, donc ici, je dois vraiment prendre ou soit $A$13, soit A$13.
Voilà donc la petite astuce de la combinaison de touches majuscule F4 qui va vous permettre de changer les références absolues, pardon, les références relatives en références absolues ou en références mixtes. Donc lorsqu'il y a un seul des éléments de la référence qui est bloqué, qui est punaisé, on parle de référence mixte. Voilà, avec ça, on a fait un premier tour dans les références dans le tableur en énonçant ce que sont les références absolues et les références relatives, deux notions dont nous aurons besoin constamment lorsque nous aurons des questions à résoudre avec le tableur. À bientôt pour la suite.